glider finalement. Nickel. Encore un glide sous la pluie. Prendre des côtes bien merdiques dans les falaises là. Entre les nuages dans une trouée. Entre deux orages, un petit thermique qui va me faire gagner des mètres de dénivelé. Ambiance humide à la X-Alpe. Là, ça remonte fort, fort, fort. Je vais essayer d'en profiter, ça s'est calmé, en bas c'était abominable. Un nuage de fun qui me descend sur la gueule et je surfe la vague qui remonte sur le versant en face et je vais me jeter derrière si j'y arrive parce que pour l'instant j'arrive pas à avancer, il y a vraiment de l'air. Quand ça monte c'est déjà ça. Et on est dans le Valais, ça y est. Allez. C'est massacré. Conflit avec les deux brises là. Non, non. Thank you. Maintenant, dodo ici. Et demain, on va décoller de là-haut. On va pas marcher 3 heures demain matin. Et on va essayer d'aller à la Dandoche. Glacier d'Alèche qui prend cher. Allez, on fait le nuage là jusqu'à rose aussi. Allez, on met un peu de charbon là, on va essayer d'aller vite tant que c'est fumant. On est au plaf avec Tobias. Enfin, 3002. Et c'est parti. Allez Damien, c'est super ce que tu fais. Courage, tiens bon, c'est trop bien. J'ai les encouragements de la team dans le camion. C'est beau, l'Oberland et là-bas la vallée du Rhône. On va couper le fromage
et essayer de raccrocher en face là-bas. Il faut ressortir de cette vallée après et traverser le Rhône. Allez. Allez, allez, c'est pas fini. Là, le plaf est à 1007. Allez, faut que j'arrive à faire le nuage là. Ok, on arrive à la Bourgeoise avec Toby. Il y a du sud, sud-sud-ouest. C'était un peu dur le Chablais, mais on l'a fait. On va poser sur les pistes, une petite contre-pente. Allez, c'est parti. Oh, le dieu. Décollage là-bas avec Steph, dans la neige. Il a fait juste un glide au pied du col de Seine pour basculer en Italie. Il y a taqué de sud, des nuages qui font vraiment peur sur le Mont Blanc là. J'espère qu'on va pas se faire massacrer en bas. Du coup, je pense qu'on va poser au fond, c'est pas la peine d'espérer passer le col. Je suis à 20 à l'heure, bravo. Peut-être essayer de poser là pour gagner un peu de dénivelé, si ça dégueule pas trop. Ok. Ah ouais. Ah, j'ai posé là. Ok. Putain. C'est quoi cette X-Alp là? Juste un tout petit peu déçu de ne pas avoir des vraies belles journées de vol. On en a eu une avant-hier. Et c'est tout quoi. Après, ça a été toujours des journées compliquées à gérer. On arrivait à avancer. Mais j'ai un peu le regret de ne pas pouvoir vraiment m'exprimer en vol sur des belles journées. Des belles journées d'école quoi, comme on voit quand on part en cross pour faire des grandes distances, et là c'est pas trop le cas et c'est pas non plus ce qui va nous arriver sur la tête d'après ce qu'on voit sur les prévisions. Il est passé par où, Aaron? Je l'ai vu partir là et après? Ouais, il est parti par là et il a pris la même direction des autres. D'accord. On a passé la mi-course, là, il nous reste un tout petit peu plus que 500 km pour rentrer au Golazelemsi. Et on est en pause
On est en pause pénalité au-dessus d'Aoste. Là, Aoste, c'est juste dans le trou derrière. Parce qu'il y a deux jours, je suis rentré dans un espace aérien, là, juste avant de traverser la vallée du Rhône, pour raccrocher le Chablais. J'ai une zone qui est au-dessus de Aigle, là. À l'est d'Aigle. Je sais pas si elle est active ou pas, je crois pas, c'est un cercle. Je l'avais vu en pensant qu'il était inactif, l'équipe pensait qu'il était inactif, on s'est fait avoir. Et l'organisation de Red Bull l'avait mise au dernier moment dans le fichier, bon bref. Ça a été un peu compliqué à gérer pour nous, un bon gros coup de massue parce qu'on avait fait un gros vol depuis Fiche jusqu'à Chamonix quasiment. Et puis le soir on apprend qu'on avait grillé un espace aérien et qu'on allait prendre 48 heures de pénalité. Heureusement ils se sont rendus compte qu'ils avaient des torts aussi et du coup on a pris que 12 heures. Et en dehors de ça, on est quand même content de ce qu'on a fait parce que bon, moi j'ai pas une grosse capacité à marcher à plat sur le bitume le soir et le matin parce que je me fais vite mal. Du coup on a joué l'option vol à fond tout le temps et on partait du coup plus tard le matin et on arrêtait plus tôt le soir. Et malgré ça on arrive à tenir le rythme et on est toujours, jusqu'à hier on était 8e. Donc on est très content d'arriver à faire ça. Le challenge ça va être d'arriver à ZLMC avec ces 12 heures de pénalité qui vont nous pénaliser une journée en fait parce qu'on va pouvoir partir à 17h. Mais aujourd'hui ils annoncent des gros orages, là il est 13h, c'est déjà bien chargé en haut. Donc je pense qu'on est positionné sur une face ouest, mais je pense qu'à 17h, malheureusement, on ne pourra pas voler. Donc je risque de marcher jusqu'à 22h.